Salut à tous, Wilke. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Rocket League pour vous présenter quelques petits presets de voitures Fennec, spécialement Fennec. Là, ça sera spécialement ça. Donc là, c'est la toute première. Je vous dis comme ça, j'ai eu la Fennec violette et la Fennec pardon blanche titane. Donc il y aura un petit peu des deux, mais après il y a des rouges et tout. Il y en a, ils sont sublimes. Donc là, c'est une que j'avais faite comme ça. Donc je vais vous montrer juste la couleur et les roues. Hein. On va pas s'embêter, les gars. Donc celle-ci c'est la plus. Elle c'était l'une que j'avais, elle était grave belle. En violet tout ça, violet bleu ça passait bien avec mes roues ultra lex que j'avais eu. Voilà. Donc là après, ceux qui veulent. Alors attendez. Vous mettez chasseresse. Ça, vous mettrez pause les gars. Vous mettrez pause, c'est une petite vidéo comme ça, présentation de quelques petits presets. Et vous mettrez pause si vous voulez faire la même. Ok. Ou sinon vous me demanderez en commentaire et je vous écrirai ce que c'est. Ok. La. Ça par exemple 3 et 6 par exemple 3 de longueur et 6 ok vous m'avez compris. Et les roues c'est des Ultra Lex. Ok, on va passer sur la deuxième. Donc voilà, là c'était toujours la violette, mais j'ai trouvé assez belle. Oh là, désolé. Elle j'ai trouvé assez belle. Elle était un peu classique, un petit peu paillette tout ça. Je vais vous montrer ça. Ces rouges je les trouve super belles. Je vais souvent les utiliser. Alors, perles métalliques déjà. Voilà les gars. Et après, je crois que l'autre c'est vraiment ok. Donc là, c'est un autre délire. Tu vois, là, c'est un petit peu un autre délire. Il y a un peu de rose et voilà. Et après, le violet, voilà, je voulais une blanche. Je voulais une Fennec blanche parce que là, violet, ça me saoulait. Et les roues, c'est des gris et j'ai des blancs titane aussi. Juste là. Qui sont aussi bien. Mais gris, ouais, c'est gris, ok. Ok, donc là, on va passer sur d'autres. Au moins, vous voyez un petit peu mes autres. Donc elle c'était vraiment par rapport au tournoi. Les gars, elle je pense pas que je vous la présenter. Voilà, c'est juste or. Regardez ce que j'ai eu aussi. Ça je pense vous faire un bon petit truc avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pas mal. J'ai eu sur le tournoi. Elle a été très très belle. Elle je l'ai kiffé. Elle j'ai bien joué avec. Donc vous mettez les petites bulles là, comment ça s'appelle? Substance visqueuse. Voilà. Voilà. Elle celle-ci c'était la plus belle. Les gars, elle celle-ci c'était la plus belle. Substance visqueuse, vous mettez ça. Donc et blanc et là vous mettez un petit peu de rose. Il y en a d'autres hein, qui peuvent passer hein. Et bon moi j'ai fait pas. Voilà. Et c'est du blanc. Restez sur du blanc. Et les roues c'est des mandalas infinis blanc titane. Voilà. Ils sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Quand je les ai paquées j'étais refait. Elles aussi. Là ça commence à être un petit peu plus travaillé. Je me disais bon je vais un petit peu plus que c'était juste pour voir un petit peu. Ok, donc vous vous mettez perles anodisées. Donc ça, si vous l'avez, si vous pouvez vous le procurer, prenez-le parce que ça vous fait des voitures super belles. Donc là, voilà, le premier là. Le deuxième là. Et la seconde couleur. Donc voilà. Vous savez, souvent les secondes couleurs, vous dites c'est pas ouf. Mais je vous réserve. L'avant-dernière, ça sera la plus belle. Ok les gars, pour le moment, c'est pour moi, il y en a une, c'est la plus belle. Et les roues, c'est des TRI 2050. J'ai aussi kiffé la couleur, tu sais, un peu bleu-violet. J'ai kiffé. Ok, donc là, Dominus. Si vous voulez que je fasse d'autres véhicules, dites-moi en commentaire, hein. Je ferai d'autres véhicules. Voilà, là tu vois, là je commence un petit peu à mieux travailler mes voitures. Elles sont quand même belles. Elles sont quand même belles, donc c'est ombre. Voilà. Là c'est quand même une belle voiture. Tu vois ce que je veux dire? Donc là c'est métallique nacré lisse. Ok. C'est moi, hein, des fois je me faisais chier et je me disais, vas-y, je vais faire des petites voitures. Là j'aime bien personnaliser les voitures. Donc je vais faire un peu ça. Donc voilà. Vous mettrez pause les gars. Hein. Vous connaissez. Ça, et les roues, c'est des vagues aérées. Donc, c'est toujours un peu bleu-violet, moi. Voilà. Donc, là, ça se peut qu'on tombe sur l'une des plus belles. Ah non. Là, elle, je l'ai bien aimée. Elle, c'est quand j'ai eu blanc titane. Vous voyez, là. Là, on passe à blanc titane. Voilà. Là, on passe à blanc titane. Je crois que j'avais fait pareil. Non, c'était quoi, mat? Ok. Perle anodisée, déjà, celle-ci, elle est magnifique. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars? Un petit effet chromé bleu. C'est magnifique. Elle est magnifique, celle-ci. Donc, vous voyez, perle anodisée, vous pouvez faire des trucs assez incroyable. Donc ça. Et en brillant, je crois que j'ai mis blanc. Voilà. Et ici en mat, j'ai mis un petit truc mat. Histoire rouge, ça passait grave bien. Après, il y en a d'autres hein, que vous voyez aussi rose, ça passe. Orange et tout. Ouais, comme ça, orange, ça peut aussi passer. Vous voyez, ça, vous pouvez faire un truc de fou. Après, vous mettez brillant. Voilà. Si vous n'avez pas perle anodisée, vous pouvez aussi faire des belles voitures comme ça. Mais moi, j'aime bien les faire un petit peu comme ça. Elle, c'est une que j'ai fait là récemment. C'est l'une de mes plus belles voitures. Une de mes plus belles voitures. Et ça passe pour les deux. Alors ça, les gars. Après les rouges, je dois en trouver des autres. Mais voyez l'effet bleu-orange. Magnifique. Je vais vous montrer la deuxième couleur. Donc je vais vous montrer un petit peu comment faire ça. Là,
Perle anodisée, hein. Que perle anodisée, les gars. Donc là, c'est celle-ci. Ceux qui veulent le faire. Un effet, hein. Et je vous jure, en game, ça donne un effet vraiment pareil. Comme là, vous voyez, ça donne un effet pareil. Par rapport à l'angle où vous êtes. Super beau effet. Et là, la deuxième aussi, elle est magnifique aussi, hein. Orange et violet, c'est magnifique. Donc je vous mets ça comme ça. Voilà. Et celle-ci. Voilà, les gars. Et en rouge, j'ai mis pareil. TRI 2050 gris. Voilà, on a mis ça. Et là, pour la dernière, c'est juste celle-ci. Donc après, l'autre couleur, je l'ai un petit peu trouvé. Donc couleur gold, c'est ça, gold. Donc vous mettez ça. Aucun sticker. Là, bon. Là, j'ai mis ça parce que voilà. J'ai mis vert. Vous mettez perle anodisée. Vous pouvez mettre bleu. Voilà. Vous pouvez en mettre plusieurs. Là, j'ai mis vert comme ça parce que vas-y, ça change un peu. Et le or, donc je vais vous montrer comment faire. Donc c'est perle anodisée et brillant. Vous mettez ça. Et ici, du noir. Si vous mettez du blanc, vous allez voir, ça va éclaircir et ça sera pas super beau. Le noir, ça donne une meilleure couleur, un petit peu plus or pur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, les gars. Et les roues, pardon. Les roues. Et les roues, c'est des Max PA. Ok, les gars. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc moi, la plus belle, c'est celle-ci. N'hésitez pas à lâcher le petit like et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres presets ou sur un thème ou autre chose. Et je verrai pour vous faire ça. Tchuss l'équipe.